Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment passer l'abacar sur un cuir fin. Certains peut-être d'entre vous ont pu remarquer, quand on utilise un cuir fin, bon ici c'est un cuir de 1 mm, passer l'abacar à un angle de 45 degrés s'avère difficile, vu que l'outil en lui-même ne le permet pas. On est tout de suite dans un angle plus plat, on retire plus de matière, c'est moins esthétique. Alors, il y a une astuce très simple qui permet d'obtenir un beau résultat, c'est de surélever le cuir. Alors, moi j'utilise une planche, ici c'est une planchette de cuisine que j'ai coupée. Voilà, j'ai un plat et j'ai un arrondi avec différents angles, différentes courbes. On place son cuir le long du bord, bien à ras, et là on prend l'abacar. Et on peut voir qu'on peut avoir notre angle à 45 degrés parfaitement sans retirer trop de matière.